Bonsoir, monsieur Onésime. Bonsoir, Thierry. Aujourd'hui, Toyamio na casquette Mouzoussou, non pas à pasteur, mais en tant qu'acteur politique. Okay. Pouvez-vous vous définir qui est monsieur Onésime et dans quel mouvement politique Azako œuvrait? Bon, Naza, personnellement, secrétaire général, il y a mouvement politique, il y a AFC. Oyo ezali na Afrique australe na niveau ya Johannesburg. Et AFC c'est quoi? Eza abréviation. Est-ce que parlez un peu de manière un peu brève de qu'est-ce qu'on appelle AFC? Eza nini objectif na bino ezali? AFC ezali Alliance des forces congolaises. Alors, ezali mouvement politique Oyo et Botami à niveau ya diaspora, précisément na Londres, Oyo et Kambami na Zela ya président Fonfon Lunga. Donc, ezali mouvement Moko et Botami na diaspora et pourquoi présence ya AFC, Oyo parti politique, ezali na. Ils allaient enregistrer na niveau à Kinshasa, na combo ya RFPC, où ils allaient rassemblement des forces progressistes congolaises. Alors, parlons ya parti politique où ils allaient au Kambama. Ils ont un rapport na ba remarque Moko et Salamaki, par exemple, il n'y a pas seulement les Congolais na Katia Kinshasa, il n'y a pas seulement les Congolais na Katia Mbuka Kinshasa, mais à peine les Congolais au bazo vivre les bandas ya Congo, oyope quand même bazo na un mot à dire pour natina ya Congo et puis pour natina ya ko bundape pour natina et kolonabiso et zonga nanzela afin que le peuple congolais va retrouver quand même dignité au bango babungisa au bisoto yebi. Donc raison pour laquelle Mokambi ya mouvement à Monaki que ça qui très très important que atelema a banda musala o ya lutte ya résistance ponatina et kolonabiso ezala libéré na maboko ya bapaya. Donc voilà la raison pour laquelle mouvement et Botamaki na katia libanda ya mboka biso tozali ko sala musala oyo ya politique na libanda ya mboka. Donc voilà un peu ma raison quand même pour salaki que to mouvement oyo et Botama parce que biso pe ba congolais libanda toza pe na un mot à dire pour natina ya mboka na biso parce que za mboka ya biso nyoso oto tangami ba congolais. Mais on a toujours le système de politique, il y a chaise vide, il y a le sphinx de l'imité. Parce que là, la personne qui est aujourd'hui à la tête du pays vient de la diaspora. Enfin, dans le Liban, il y a Mboka. Aujourd'hui, il y a un nouveau régime qui est en place. Et ne trouvez-vous pas en lieu place, il y a qu'aux militaires à l'extérieur du pays, de rentrer sur place et Kosangisabaïde. Soit Bozali n'a pouvoir, soit Bozali n'a opposition, mais tout en étant, ou soit en mettant la main dans la patte, que Bozala n'a président, n'a pas comité, n'y a pas de fonctionner, toujours à l'extérieur du pays. Quel genre de politique faites-vous exactement? Bon, comme je l'ai dit au début, Bissotoza ba résistant. Et puis, je pense par rapport à Yalikambo Otikoloba, on ne peut pas s'ingérer, on ne peut pas en tout cas s'ingérer dans ma Kamsou sur Bissot. Tout le monde a clarté. Alors, ce qui n'a lobby que les anamakamons sous tout le monde a clarté, c'est quoi? Parce que Bisso, tout le monde a ambition, tout le monde a objectif au Bisso, tout le monde poursuivre. Alors, notre objectif au Bisso, tout le monde poursuivre, nous savons que lutte au tout le monde a mené, c'était quoi? C'est la libération de notre nation. Alors, ce est tozo lobe anatina ya libération ya nation na biso. Alors, tozo mona un Congo
sans Kanambi. Et vous allez important. Appelle-moi. Continue. Alors, tozo mona que toza na posa ya libération ya mboka. Tuebi makambo mingi, c'est pas utile que nabanda koloba. Mais Congo sans Kanambi, Kanambi est déjà parti. Et quand vous parlez de résistance, qu'est-ce que vous entendez par ce mot résistant? Vous résistez à qui exactement? Je pense que combat aux acquis n'a rien n'a envie que bah résistant. Nous résistons justement contre bah système aux acquis en place. Aux autres continuer qu'aux en place. Je m'excuse de dire ceci parce que pour nous personnellement, Tobanda et Komona en fait un Congo sans Kanambi. Dire que voilà Kanambi a sous-sauté, nous savons tous qu'il est là parce que nous on pensait que Tango pouvoir Ekozwama ezala ba Kanambi na ba système na ba tunyo so ba travailler na ye normalement ba ko sous kozala na mboka te ba Rwandais. Donc c'est ça le problème que nous avons, c'est ça la lutte que nous avons, hein? Mais aussi longtemps que baza à l'aise bazo tambola bisika nyo so balingi bazo bima bazo zonga tout ça, nous c'est pas ce Congo là que nous attendions. Voilà, monsieur Onésime, je signale à tous les fidèles abonnés à Coup de Projecteur, votre émission préférée précisément de la chaîne YouTube Congo Dialogue. Je précise que monsieur Onésime, il est secrétaire général du parti politique AFC. Et ce qu'il est en train de dire, c'est un peu donner l'image de leur parti politique, de leur mouvement. Mais j'espère bien que nous pourrons faire une émission intégrale pour qu'ils puissent parler en long et large de ces partis politiques. Sinon, aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup plus parce que l'actualité oblige. Tu es beaucoup tanana, secrétaire général à FC, à un niveau à Johannesburg, à la personne de M. Onésime. Monsieur Onésime, oui. Félix Tshisekedi, plus de 2 mois déjà investi. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement mis en place. Jusque-là, il y a le gouvernement sortant au bazar qui continue de travailler. Depuis la nomination, plutôt la élection, il y a président, il y a l'assemblée nationale, il y a l'assemblée provinciale. Aujourd'hui, tout ça a problème, il y a élection, il y a gouverneur. Donc, Oza sans nul doute yako yoka que na niveau ya loi là-bas ezali Zoé Kabila nde abimi gouverneur. Donc selon d'autres sources, la population bazali mécontent. Na province ya Sankuru, problème ezali metoroko mawana. Mais awawa na moko ya chaîne ya radio na mboka na biso ya Congo, Ndekwana lobby, retirer ma candidature, pourquoi? Pour faire plaisir à qui? À s'interroger na Radio Moko, là je cite à la personne de M. Thomas Lokondo, Oazali Bongo, vice-président et regroupement politique Palou et Allié, membre de FCC. Pourquoi à lobby Bongo? C'est parce que FCC, Oazali Bongo Kambamana, Oazali, parti politique ya mounene ya Katia FCC, la Bongo PPRD, ba imposa qui un seul et unique candidat à la personne de madame Janine Mabunda Poabima, présidente ya ensemble national dont monsieur Thomas Lokondo a s'opposé pe a keiko déposé candidature en tant que indépendant. Monsieur Thomas Lokondo a suki wanate, ce sont des propos oyo et bimi na munoko ya Thomas Lokondo, a lobby que PPRD, parce qu'il a souligné le nom y a parti, FCC, regroupement y a parti politique et belé, mais il cite le nom y a PPRD, oiseau pesé lourd na kati y a FCC, ba komi ko multiplié, ba réunion par-ci par-là, pour na koluka, ba longo la candidature na e, jusqu'à ko kende pay, y a président intérimaire, à la personne y a Lugi Gizenga, pour na koluka koloba ke, baza ko reconnaître candidature Yuanate, mais il y a lobby à Kokoma Nangoti Nasuka. Alors, à entendre parler, implication ya PPRD na kati ya FCC, Azako Maté, FCC, plutôt PPRD, veut tout contrôler. Quelle est votre lecture
est-ce réellement parce que surtout qu'il y a une assemblée provinciale, tokei na ba institution nyoso, c'est pratiquement PPRD FCC qui domine. PPRD. Quelle est votre lecture? Est-ce que réellement il y a eu changement de régime ou soit tout ça que tozali baza comment qu'est-ce que je peux le qualifier? Eza mascara au bâtier mutumuso à la tête, mais en réalité, ce sont le même système qui continue. Je ne sais pas quelle est votre lecture à ce sujet. Bon, je pense que quelque part, Eza makamomingi ezomona nana misu à moins d'être aveugle, mais Eza makamomingi ezomona nana misu ezotali ça vraiment que jusqu'alors nous continuons à tourner en rond. En fait, personnellement, Naza Moutumon n'a plus observateur. Naza plus observateur dans ma cambo et tout à la Bokanabiso. Et Toza Batumoko, en fait, Toel et Larate. On observe d'abord Tozo Tala, Neba Baming Bazo travailler, les erreurs. Tozo Tala, Tozo Mona Berreur. Tozo Tala, Tozo Mona. Makambo mususu ndenge zali ko leka na mboka, comme je l'ai dit au début, que po na biso tobandai ko s'attendre na Congo moko sans kanambe. Parce que soki kanambe azala raté, belé, je pense que ba situation nyonso ba ndenge o tunelenga motuna, linga ke zala te. Mais soki ezo zala, eza po na ye aza toujours. Et ba prometa ki ye, protection et promesse on est en protection yango ezo sala que azozala toujours wana et le fait ya kozala toujours wana azana ba plan B nae. Je pense que ce qui les lobo et tozo to komi au fait na soki to koyo ko benga ngo passation ya pouvoir hein? Donc na kanisi que quelque part ezali kinati plan A ya yemoko. Mais dans le plan A, on a un plan B. Raison pour laquelle, malgré que Tozo Lobama Kamba passation de pouvoir, tout ça, tu es bien rompé ma lame au cœur, ils ont conditionnel. Tu es bien rompé ma lame. Donc, je ne suis pas là pour détailler ma lame sous soumet. Je pense que tu es bien. Ma condition est bien posée dans ma lame. Alors, quand Talisama, dans ma lame, Ndenge Ango est allé comme ça, il m'a dit qu'il a un plan B. Parce que, objectif nezanini eza ozonga na pouvoir eza net ka kala kolo ba anti temps mort moko bo salami pona o calmer ba tempête onyo so e salamaki avant a passer pouvoir na moninga na partenaire nae na zo utiliser ka ba mo o bango moko ba zo utiliser donc denga pasagi pouvoir na partenaire nae tout ça bon c'est Isa na ko ne na lobi que na zo benga onetti plan A nae mais plan B nae yango tozo mona kazo se préparer azonga et po na azonga azolinga azonga malgré na ba corruption malgré na ba tricherie mais azoluka azonga na ndenge moko na miso abatu ebi ma propre. Alors raison pour laquelle azo implanté ba tunae partout na ba institution nyoso. Comme ça, tant au temps et qu'au coca, que voilà ma prochaine élection, que Azana facilite à ça, ma camboya ligne. Et puis pourquoi ne connaissez ou à qui qu'on postulait na est? Ils en a ma solo na bango ou ils allient pekuna. Ils en a ma solo na bango ils allient kuna pour na go faciliter ma tâche à ma cam na bango ne baso sale. Donc quelque part, ce est au tali bien. Ils acabent ma préparation et à retour nae. Yango tozo mona que partout eza na nini na Sénat eza la na partout na ba institution bazo zala. Et si on peut retourner justement la question à Tunaki, si réellement on peut parler du jeu du système démocratique, pourquoi est-ce que la candidature de Thomas Lokondo dérangerait celle de Jeannine Mabunda au Baponié na compte sa PPRD? Parce que yango négotel ça réellement qu'il y a démocratie. Parce que ce qui va imposer qu'on imposer et que Thomas Lokondo a qui commis P Satan qui est candidat indépendant. Quelque part là, vous ne trouvez pas que ils sont ezobimaloko là, ils a dicta moko zouta, oyo bango tu bazali obligé à se plier. Mais tant que mutu moko a s'opposer nango.
Ne pensez-vous pas qu'il y a une crise aux alliés en vue pour la carte politique congolaise? Justement, il y a une crise qui est dans la politique congolaise. Il y a une crise qui est dans la institution internationale. Malgré ma camsova kolo belango polele boite, mais ils ont connu que vraiment tout dans la crise moi ma casse na katia politique intérieure ya biso. Alors je pense quelque part ce qui ba poni Janine, je pense que quelque part et cause à la bien probable pe ordre outil écolo ya oazo kamba FCC oazo kamba réellement FCC. Donc je pense que ba coquille jamais kopona Janine sans accord yaye, donc aval na epezali. Bon, peut-être par rapport à Sandeko, à mon acquis, peut-être il s'attendait à ce que Ezalaye, peut-être à mon éloko moko et Simbi Kunate, raison pour laquelle Azoluka a bunda pona pour récupérer place wana. Donc je pense quelque part ils ont ambition oye Azanayamo. Qu'en dites-vous avec Malobamo et comme Koloba Mikolo yo, Obaso Benga Kingakati, le Vatican congolais, c'est-à-dire une ville dans une ville, un pays dans un pays, où tout semble tourner autour de Kingakati. Pour qu'il y ait une loi ou une décision, tout le monde est là. Il y a des Kingakati jour et nuit. Et vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que réellement Félix a le pouvoir entre sommets? Parce qu'il y a un dirigeant dans un pays qui est dirigé par un président qui est Félix Tshisekedi. Y a-t-il pas un danger? Ben, je pense que de ma vie, depuis Nabotama, en tout cas, j'ai eu l'occasion, en tout cas, dans ma jeunesse, Namona serpent à deux têtes. Ils ont un serpent à deux têtes, il y a la formule de Bélé. Peut-être que je suis un peu à l'occasion, comme on a un peu dans ma brochure, bien peut-être en live, mais là, personnellement, dans mon serpent à deux têtes, Oyo, tête moko, et ça, na position normale, n'engézali, moussous, et ça, kota moukila. On mena nan ya oben dan nan. Donc, c'est ça la situation autosan en haut actuellement. Donc, ma colo banette, il Congo actuellement, ils a dirigé la Batumi Balé. Je pense que Batumi Balé, Bakosa, d'accord, on a maté, mais en tout cas, pratiquement, c'est ce que nous voyons. Hein, parce que je ne pense pas, je ne vois même pas en tout cas dans quel pays. Dans quel pays, même si on a vu Kagame, ce qui a accepté le président sortant, Aza na moi coin naé, ou Azo Saba ma kambou naé, ou Yopé Azo Yamba. Na ba autorité moussous bazo ou talibanda, bazo qui ne tient pas naé kuna, je ne sais pas s'il y aura un président qui peut tolérer ça. Naé bité. On est là et là comme on peut mettre ça l'analyse nango, mais ils ont juste pendant que Luka Kotal ça m'a manqué que Namambo Kamsu c'est ça la magaté et puis depuis l'histoire c'est la première fois que tout a été bloqué que un président sortant a un pouvoir comme ça Makam Oyer c'est plus comme ça ils ont raté donc même temps Bazobe Ngango Vatican Kingakati Community Vatican une ville dans une autre ville bon. C'est une vérité. En tout cas, c'est la vérité moko parce que ma kamuming ozo sa mana katikuna oyo batuming bazo ebate. Donc ils a vraiment bon. Et monsieur Onésime, secrétaire général des AFC. Qu'en dites-vous? Parce que quand on appelle majorité na ma solo ya politique, c'est que le pouvoir to muto azai ko kamba, il faut yo kamela. Majorité. Mais la majorité dirigée à la tête par le président honoraire, son excellence Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, bah, proposa qui Albert Yuma pour abîmer premier ministre, dont le président investit, là je cite son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, avait refusé Yagotier premier ministre, disant que Azali propreté, Azali clinité, il y a travaillé naïe parce que hier Azali na objectif il y a travaillé na bateau Azali maboko Azali pembe. Ne pensez-vous pas que Azali dire une chose et son contraire parce que en réalité Muto va proposer na majorité. Hier Azara Muto a kotiara ka ne signature pour à travailler naïe.
Boye tozomona te que mboka yango nire tozali na libulu, mais cette fois-ci on s'engloutit dans un trou plus profond que celui d'avant. Quelle est votre lecture en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique? Ben, na koloba boye que c'est vrai. Donc on continue au fait à cause s'enfoncer encore de plus. Ya on a zozongé la kali kambona lobaki que biso objectif na biso ezalaki un Congo sans kanami. Parce que babilo konyo so tozomona awa na koba ne toyebaki ke kozala bongo aussi longtemps qu'il est là. Parce que za mutu moko akokai jamais concéder facilement pouvoir. On m'a dit, mon tapos a une autorité, on a une autorité, on a un pouvoir. On a une autorité, on a un pouvoir. On a un pouvoir, on a une autorité. Et il y a un mot de salam, on a un mot de cannabis. On a une autorité, mais on a un pouvoir. Mais on a un pouvoir à passer autorité et pas à mon tapos. Alors, c'est ce que pratiquement ma kamdenge tozo kutane yango. Tozo s'enfoncer encore de plus en plus. Kuna majorité ba présenter. Ba présenter nini na bango candidat na bango pona abima premier ministre. Bon. Le président en place a refusé. Bon, parlons même ya nini ya il y a majoritaire. Mais ce qui est toujours majoritaire, c'est que normalement, il faut être majoritaire. Je pense que c'est comme ça. Il faut être majoritaire. Bon, tant que majoritaire, la majorité, bazo proposé, bazo pesa, Moutunabango va présenter Moutunabango, Bango va poni. Et que Yemoko a boi. Nous sommes tous les sources de ma conflit, de ma cambodélé. Donc, raison pour laquelle nous avons été en train de faire une année sans que le Premier ministre soit en train. Mais quand le président en place dit qu'il ne peut pas travailler avec Albert Yuma, du moment où Aza Messal, il y a un apostat à Tumabo au Zapembe, mais le gouvernement, au Ezali sortant, il semble que ces mêmes gouvernements ont accusé Bazama Boko Salité. Si bien que Bazama a affaire courante, mais Bazama fonctionne jusqu'à aujourd'hui, qui n'est plus de 3 mois déjà. Ne trouvez-vous pas que Bazama Kamou, 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 c'est une vérité. Parce qu'il y a ma contradiction et ça trop. Est-ce qu'avec cette manière de faire, reconnaissez-vous la véritable UDPS avec cette manière de faire? Je pense que Natango y a Mpaka. Tango Azaki n'a pas moins. Premièrement, Naebi que Akokaye Kozoa espace soit naté. Et deuxièmement, na façon n'a pas que ça l'est là. Je ne pense pas non plus que à quoi que ça m'a cambozo ça la malélo. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas qu'à quoi que quitatina va niveau aboué. Vous ne pensez pas. Non. Parlons l'homme au verbe facile, très connu à Kinshasa sous le nom de Bakomba Pesaye. Là, je parle de la mère Mende au Malanga, désavoué par ses frères Sankouroi, dont le président de l'Assemblée provinciale et la province démembrée est à Sankourou. Là, je cite le nom, il y a président Benoît Olamba, Oyo Alobi, Azali, Kobanga, Kokonvoqué, Assemblée provinciale et à Sankourou, pour passer à l'élection, parce que na kati ya liste ya élection ya gouverneur ya province ya Sankourou ezaka na komo ya la maire Mende au Malanga. Alors Seni alobi que na kati ya liste ezaki na komo mibale à la na deux noms ezalaki na la maire Mende pe ezaki na Mukumadi.
Mukumadi azaki invalidé na cour d'appel ya province ya Sankuru dont la CENI lobby y est azo décliné toute responsabilité. Donc élection il faut esala makaka na liste définitive où ezali wana. Donc si nous comprenons bien le message ya CENI et ngoloba que ensemble il faut siéger ceux qui va voter c'est que le quoi candidat ezala moko sûrement faisara la mer menende ya koleka. Mais bande konaye ya Sankuru balingite ko kali solo ya la mer Mende au malanga tant que gouverneur ya Sankuru yozali acteur politique ozomona que depuis vague o ya ba élection e ou e bandi ko banana présidence il y a toujours des contestations tito zo ko mana o ba gouverneur kaka ba contestation qu'en dites-vous? Bon, moi je pense que c'est au Bengami un pays démocratique. Donc, dans le vrai sens du mot, ce qui mbo kanabiso, ils allient réellement mbo kamoko démocratique. Alors, tango, peuple oyo, et refusé yo. Salaka souple, tika. C'est pas la peine de forcer, ba makambo. C'est pas la peine ya konuka kozoa, ma kosantete, kozoa isika au peuple boyo. Pourquoi tout ça pays moko démocratique tant que déjà peuple rejeté au peuple boyio c'est pas la peine de renforcer ma comme c'est qu'on a un intérêt moko ça aux bombes à place wana. Donc raison pour laquelle je pense que c'est pas la peine et puis le fait même d'être le seul candidat tant qu'il y a c'est même pas la peine de voter parce que ça est moko le fait déjà d'être seul on parle de vote lorsqu'il y a deux ou plusieurs candidats. Mais il y a Zaye Moko. Bosco va voter Ngeni. Donc je pense que ça déjà, candidature Moko, il faut la annuler. Et ce qui n'a lobby que Naza moi Moko, c'est ma peuple. Peuple paix est boyi. Et boyié. Donc je pense que autant mieux que Atika Nae. Atika. Et puis ce qui est totalipé sans courroux, je pense que ce qui n'a pas sanité, et ça va côté à Mboka Nae. Propre mboka nao ba rejeté yo. Donc oyebi makambo sala ya mabeming. Donc je pense que c'est même pas la peine que au continuer qu'au faire souffrir peuple où ils a déjà meurtri. Donc je pense que mawa izate. Donc au fait le problème mawa izate. Vraiment mawa izate. Peuple où ils ont souffert et souffrir pendant des années, binonde bozaki en tête ya mboka. Ok, place wana osala eloko mokote na propre village na yo na propre mboka na yo mais lelo pona ba intérêt na moko boue tout ça ozo kende ozo persister kako tika la wana obima gouverneur tout ça pendant que peuple boio peuple bois kisio non ça quand même honnête donc vraiment je pense que conseil na kopé ça Isaac Atika toza mboka moko eza démocratique peuple et pour Nabato y a ses pélis. Ton peuple Azala na pour une fois en tout cas na Katie Sengo. Alors mon Nabato bazo diriger Bango, bazala Bato bazo sepela na Bango. Et non pas Bato bazo diriger Bango bazan être na contrainte, bazan être na bolo comme au bout ya motema que bandimika pour Naba azan imposer na Bango. Non, ezaki to côté. Même je pense que place wana Seni a mekan kota la likambwana. Seni Amekanon Kota Likambwana, c'est ce qui a dit, c'est ce qui vient de dire le secrétaire général de l'AFC, Monsieur Onésime. Monsieur Onésime, en voyant les élections au Union Sotikoleka, Tolongo dans le président, parce que c'est lui qui est à la tête du pays, Tozui, chambre haute, chambre basse, Toke Naba gouverneur, Toke Naba institution, Nyoso Basengi va voter, AFCC. PPRD à la tête, AFCC à la tête, un nombre insignifiant des opposants. Quelle chance, M. Onésime, en tant qu'acteur politique, donnez-vous au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce que saura-t-il réellement à relever le défi, il y a changement, où il y a bané qu'on prenait? Saura-t-il en mesure, il y a qu'au ça là, il y a qu'au réaliser parce qu'en réalité, il faut à se soumettre la volonté ya bato baza majoritaire. Or, cette majorité, bazali batu o ba travaillaki na régime o ya bané ko benga sanguinaire,
na régime où yazo benga to azo boya batu musu azo proposer ya ba voleur dont il y a encore des voleurs qui courent encore na kati ya ba balabala ya Kinshasa oye yebi pour ne citer que peut-être la première victime où est tombé qui le président assemblée ya Kinshasa Roger Ntsingi. Quelle chance donnez-vous réellement au président Félix Antoine Tshisekedi na mandat na ye oyo manquant la majorité et contraindrait même ya okenikosa la mariage na AFCC oyoyo ye akoka ki jamais kosangana na bango. Quelle chance donnez-vous au président? Bon, moi je pense que Azan a un morceau moko très dur. Ça, ce n'est pas une chose à mâcher. Azan vraiment un morceau moko très dur. Oyo penza et que ça l'a vraiment très très difficile pour Naye à s'en sortir. En tout cas, j'aimerais quand même tirer l'attention là-bas de Konaviso. Voyez, parfois on se comprend trop mal là-bas Makambo Mususu. Nous ne sommes pas vraiment contre là-bas Makambo Mususu, Lengezo Salama, tout ça, mais quand même il faut tout le monde appeler Musika. Il faut tous à quand même Hermoko na moi façon de voir les choses net bamdele bamonela. Mundela ko sale loko lelo mais oazo sala lelo eza pona des années plus tard. Donc par là la nina lobane ni que ce n'est pas le fait ya ko bon sabanzela, ce n'est pas le fait ya ko sala telle ou telle chose que e ko inquiéter ba ennemi na biso. Ce n'est pas ça le grand problème. Je pense que le fait ya ko conserver pe ko protéger o bazali banguna Nabiso bazo continuer ko dondwa na kati ya mboka na biso bazo s'inquiéter na loko moko te ozo sala no banzela mais bazo ezo inquiéter ba monté hein ata lelo tongi na yo 1000 ndaku na kati ya Kinshasa to déplacer Kinshasa ou bâtir Kinshasa net New York hein? Ce n'est pas ça qui va inquiéter les ennemis. Toujours un exemple mon quoi. Tant qu'à lobby Makamboko déboulonné dictature. Moi n'engue bouger bamo. C'est ça le problème. Et c'est ça les Kambo biso toko bete la cité. À ce même sujet là, il y a déboulonnage. Déclaration naïe et Zalaki réprimandé par un représentant il y a PPRD dans le déclaration les cas qui na ba chaîne locale. Ba lobby ba propos mususu oyo président Azao Bimisaka. Ezako arrangé bangote et pesaki même que plateforme FCC na plateforme cash base à la lokola à bras de fer. Ne pensez-vous pas que bras de fer on est comme même encore le pays dans le chaos oyo et ça sans précédent na niveau ya gestion ya mboka na biso ya Congo. Justement. Donc ya ngonde na zoba que za ba problème moko ils allaient très sérieux oyo. Yé à cause de la facilité de la coquille, ma rêve au Yazali n'est pas pour le Congo. Donc, il y a la facilité pour nous vraiment un morceau dur. Et ça, quand on a dit que le banet, moi, je suis un monsieur et salamaka à Mouzé, à Kotaka, Alliance, à Rwanda, tout ça. Mais par après, lorsqu'il a compris certaines choses, que a soit qui décision à Bengana à Rwanda. Tomoni Makambo, et Salama, au pays Koza, Tina Moya Lelo. Et ça, presque. Même système dengue yepe ezo lekana a sali d'abord mariage wanana FCC c'était déjà une erreur, il fallait pas hein? Le problème c'était que Tango a passé pouvoir bengani bango, c'est ça on a le fait. Mais pasteur à sali alliance na bango tendeni bakabeli fufu voisin na yo ba bomingombe siko azo boka même misuni musuna libanda okeko pour ka osenge ka pardon pe so musuni o dela fufu a sali mabe. Kasi yango nde nakolo balelo ke komi singana kingo. Alors singana kingo wana yango nde mutozo mwa kezo bota ba anti valeur ebele. Na kati ya système politique na biso. Yango tozo mona actuellement, ezana makambo ebele, il faut qu'on se le dise que ils a pratiquement impossible pour na asale la yango. Nde na otope sa exemple awa ko deboulonner nini dictature tout ça. Au moment na ma cambo est beauté lié et créer les bas sérieux problèmes donc ils ont là qui ça que je pense que ce qui réellement a l'ingi ko atteindre bas objectif naie alors à continuer n'engazo salon
que à parvenir peut qu'au déboulonner n'enga lobby. À parvenir peut qu'au déboulonner n'enga lobby wana. Ce qui perd kokoka. Ce qui perd kokoka. Voilà, le pasteur vient encore d'ajouter. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais je ne veux pas quand même chuter sans pour autant demander la toute dernière question à la secrétaire générale de l'AFC, qui est Monsieur Onésime. Monsieur Onésime, en parlant de déboulonnage et voyant le mariage cash-FCC, l'impunité, le vol dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, et ça qui moko, il y a bas slogan, il y a bas campagne na bango, même avant bas campagne, quand il était encore opposant à Guéry, Tobengango Bongo, avant bas élection, que bah combattre bas système, il y a bas miibi et tout ça, et le doigt a été pointé beaucoup plus à celui qui était beaucoup plus à la tête, le président sortant, aujourd'hui Azali président honoraire, dont Otoebi Kombo, à la personne de Joseph Kabila, avec cette alliance, avec ce mariage. Donc aujourd'hui, Kabila reste clean. Parce que ceux qui ont battu Bazokanga, c'est qu'ils ont battu Bilebakanga. Donc aujourd'hui, on peut dire que le vol, les crimes au Baba Kolaki, Kabila et Naba collaborateur Nae Nyoso, c'est ça appartient à l'histoire. Tout à fait, parce que soyez total et bien, quand on parle d'abord au départ de la justice, n'appelons pas justice injustice et non plus injustice justice. Parce que soyez total appliquer réellement justice, Nengangwe Sengeli, ça signifie qu'on épargne personne. Donc, ce qui est là, nous avons condamné Moutoutel. Pendant que Namote Mana Nebi que Moutoutel Moussousou Awa a salapé Baïba. Aïba, Boma, Salam, Makambo, Bele, Bele. Yé nazo épargné, yé, mais nazo l'andé la batoum sous. Nazo mate nao sa l'injustice. Donc je pense que s'il faut appliquer la justice, dans Katiambo, Kanabiso, il faut qu'on applique justice, Nengangwe, Sengeli, Kobanda, Nalikolo, Tinase. Même tant que l'élo, par exemple, Azo Loba, que voilà, quoi que travaille, te, Nabao, Bazan, Bamen, Sali. Bon, pratiquement, ce total est presque. Groupe Nyon Souezaliwana. Nanya waza na main propre. Oye a koki ko travail na e. Basate. Donc c'est pour dire que. Et vous allez difficile et l'oboye. Ko travail na. En fait, ko na primature. Ko tia gouvernement. Je pense que. Eza pona le lote. Son alobi ke na landa ba dire wana. Ke soye pe ba dire wana eza bien respecté. Je pense que quelque part. Et vous allez difficile. Et très difficile. Ya ko. Il y a côté gouvernement. Puisque jusqu'alors, ce est au Talibien, il est difficile, en tout cas, surtout dans FCC, il y a comme un bateau à sa main propre. En tout cas, tout le bas vérité, je pense qu'il est difficile. Il est difficile. Pour la toute dernière question qui me vient encore en tête, qu'est-ce que M. Onésime dit à propos. Parce que là, pas plus tard qu'hier, il y a un groupe, il y a bah, ressortissant il y a Katanga, bah, qui est plaidé auprès du chef de l'État pour un retour, il y a Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi retourne à Congo? Et comme il y a négocié, parce que la personne qui ne voulait pas que Moïse Katumbi revienne au pays, c'était le président sortant. Aujourd'hui, il est déjà parti. Oh, tout le monde, la logique, tout le monde est à Zali Soussouté. Donc, retour. Il y a tout opposant, tout exilé politique, Nyoso, et ça, c'est ce qu'on négocie. Voilà de un. De deux, qu'en dites-vous pour le dossier Edi Kapen, qui clame jusqu'au moment son innocence, au banane baleka qui, balobi que papa bamaza innocent. Alors, na grâce présidentielle, au bénéficiaire qui n'a pas moussoussou, pourquoi pas Edi Kapen pour le deux cas, on a. Qu'est-ce que M. Onésime dit à ce sujet et après, on clôture notre mission d'aujourd'hui. Merci bien en tout cas pour la question, puisque pendant que Banda Koloba Makambo ya Moïse Katumbi, il m'a télé un peu dans l'esprit tout de suite, Edi Kapen. Et j'appelle le Kambo yo na ingina bande la koutou par là. Problème, na Koloba nini que le président actuel,
Azana problème mon côté, je crois, na handicapé. Azana problème à mon côté, na handicapé. Et je pense bien aussi avec Maurice Katumbi. Alors, je pense que dès qu'on a lobby, soyons simplement honnêtes. Pourquoi va libérer certains, mais pourquoi va beaucoup libérer un handicapé? Donc, il y a des vérités cachées. Parce que je pense que Edi Kapen a quota na prison avant Koutou, ba Franck Diongo, Bango Nyoswana. Mais pourquoi ba libérer Bango? Mais pourquoi ba Bouyko libérer Nani? Donc c'est pour dire que Dena Lobby, ils ont un pouvoir, Moko, ils ont en place. Oyo, ils ont refusé sortir à Edi Kapen. Waneza et Loko à Liboso. Donc le problème, le président en place, ils ont un problème, on est Edi Kapen. Mais ils ont le président sortant. Le président sortant, il y a un problème Edi Kapen et il y a un mois à dire pour sortir Edi Kapen. Donc c'est ce qui fait que Edi Kapen a rubimaté. Aussi longtemps qu'il y a PCI approbation a été. C'est pareil aussi avec Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi à Zonga, à Nyatalisuna Mabele au Congo, il faut ordre où t'es pas à. Il y a Joseph Kabila. Bref, on peut dire que le président de la République ne jouit pas pleinement de son pouvoir. Ça, c'est une vérité. Je pense que ça constate Moutounou Sakoué, comment on a par les actes. Et au moins, on a clairement qu'il y a certaines choses qui lui échappent. Hein? Parce que je sais que si ça ne dépendait que de lui, là, en tout cas, je le dis honnêtement, que ce qui est à dépendre, c'est qu'il y a un mais il dit qu'à peine à Zalibanda. Et au regard de tout ça, plus de 37 ans de lutte démocratique depuis le Sphinx, Office Tshisekedi. Si on pouvait vous donner un bic rouge pour donner le cote avec ce que nous voyons aujourd'hui, quel cote donneriez-vous à l'UDPS aujourd'hui? Ben, je pense quelque part, c'est un peu difficile à dire, c'est un peu difficile à expliquer, si je peux le dire. Mais quand même, pour répondre à cette question, ce qui est quand même la côte de Koyekopesa par rapport à UDPS actuellement, je pense qu'ils ont encore un très grand travail à faire. Honnêtement, il y a encore un très grand travail à faire. Par rapport à la situation Nyonso Tozokutanango, c'est vrai que j'ai eu pouvoir dans un moment moko très difficile et très compliqué. Ça, c'est une vérité. Et ça, moment moko très difficile pour Natia Nabango. Mais je pense que ce qui les loue, par exemple, Mobali Moko, ou bien moi, si Moko Babali, na Mobali Moko Azamabe. Pendant que moi si bandai ko pekisaï, que non voilà, libala o e ko simbate, ozo kene ko souffrir. Mais moi si azo lobaka ke non ngana lingi ka mobile nangande ngazani. Koma nanda ko libala, oko sentir vraiment que non, conseil ba pesa kinga eza mabe. On moni vraiment que oko mina singana kimo. Donc je pense que et comme il a un niveau moko, Nakolo Baneti un peu tard. Donc je pense que par rapport à la situation actuelle, j'aime pas trop juger. En tout cas, misale abatou. Mais et loko moko Nakolo Banini, que Dieu donne toujours l'opportunité à tout le monde de faire un travail. Net il est loboyé, les opportunités oyo et pesameli bango pour là-bas diriger moko. L'essentiel, c'est quoi? Nous voulons que tout Congolais se retrouve. Tolingi que Congolais Nyoso a retrouvé dignité aux alliés perdus.